Let me take this discussion to Salahedin Mizwar, because I agree what Olivier said. In the low interest rate environment, countries like Morocco that want to attract capital, that need to accumulate capital, should find it easier than in an environment of high interest rates, of course. And there's a second point that connects to Minister Arkebi's presentation, namely related to climate warming. We're in Europe, at least, looking for clean energy. And I see a lot of discussions in the German government, for example, that looks in particular to Morocco and sees Morocco as a source of solar energy that could then be exported to the continent, either electricity or synthetic fuels, power to liquid, and all these things. So the combination of low interest rates and this enormous hunger of a decarbonizing Europe for clean energy, isn't that an enormous business opportunity? You're a businessman, Monsieur Mazouar. Bien, alors, oui, une opportunité, c'est certain. Mais avant d'être un homme d'affaires, je suis aussi un homme politique qui est passé par le public, etc. Permettez-moi de faire une petite rétrospective parce qu'on est à Marrakech. Et à Marrakech, il y a 3 ans, s'est tenue la 22e session de la COP. Durant cette phase, le monde était plus concentré sur l'accord historique de Paris et toute la dynamique et l'optimisme qu'il avait entraîné était plus préoccupé par les questions de sécurité, terrorisme. Mais durant la COP ont eu lieu les élections américaines. Mais M. Trump est arrivé et la première annonce a été celle de dire « je me retire de l'accord de Paris ». Un fait annonciateur d'une désolidarisation, d'un consensus dans lequel le monde avançait avec beaucoup d'espoir. Et en 3 ans, c'est impressionnant ce que l'effet Trump, ou l'effet du leader qui dirige la première puissance au monde, peut avoir sur le désordre mondial, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, ou les équilibres ou déséquilibres du monde tel que nous sommes en train de les observer aujourd'hui. Puisqu'on parle de la Chine, je dirais, je suis personnellement heureux qu'il y ait une force qui contrebalance tout cela et qui aide à remettre un peu d'ordre. Nous sommes dans une guerre de position parce qu'il s'agit de 2 puissances qui se testent aujourd'hui, et qui vont devoir se mettre d'accord demain. Le retour à l'équilibre mondial passera nécessairement par la capacité de ces 2 géants qui vont, et il faut que les États-Unis s'habituent à cela, et que le monde occidental accepte le fait, aujourd'hui, qu'il y a une autre puissance qui représente un autre monde, qui, avec laquelle il va falloir nécessairement composer. Et quand je dis composer, c'est de nouvelles règles qui vont régir le monde de demain. Tout le monde parle de décalage entre le monde tel qu'on l'avait conçu après la Seconde Guerre mondiale et tel qu'il est en train de fonctionner aujourd'hui. On a cherché à faire avancer le G20 comme solution, mais j'aime bien ce que dit Jacques Attali, il appelle ça le G20, V-A-I-N. Et ceci montre que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis on vient sur les taux d'intérêt, comment relancer l'économie, les perspectives de récession, les risques de récession, tout cela est l'effet de ce Big Bang qui est en train de se produire dans le monde et dans lequel nous devons, intégrer effectivement tous les risques et toutes les conséquences. Juste pour dire à nos amis occidentaux, quelle est la perception de la Chine par les Africains? Pour les Africains, la Chine, c'est 2 choses. La première, c'est qu'elle a permis aux dirigeants africains de regagner une part de souveraineté.
dans les décisions de politique d'investissement et de développement. La deuxième chose, pour les populations et pour les dirigeants, c'est synonyme d'impact, d'effet à résultat rapide et immédiat, même si aujourd'hui, dans les débats, nous revenons sur le fait que la Chine vient avec ses grandes bottes, il vient faire des investissements avec des ouvriers chinois et que les ouvriers africains et les Africains n'en profitent pas. Ça, c'est un autre débat et c'est un autre sujet sur lequel, naturellement, il va falloir revenir. Qui aurait dit que la plus grande puissance économique européenne connaîtrait la situation qu'elle est en train de connaître aujourd'hui du fait de la récession? Qui aurait dit que l'Europe allait vivre l'implosion qu'elle est en train de vivre si elle ne fait pas attention aux risques qui sont aujourd'hui dans le mode de fonctionnement des pays appartenant à l'Union africaine? Qui aurait dit que le Brexit allait venir et allait produire tous ces déséquilibres que l'Union européenne et l'Europe est en train de vivre? Alors pour nous, maghrébins, africains, l'Europe c'est notre premier partenaire, l'Afrique est proche naturellement de l'Europe, en tout cas l'Afrique subsaharienne, avec toutes les difficultés qu'il y a et les impacts qu'il y a, nous observons un partenaire qui manque aujourd'hui totalement de cohérence et qui manque de vision de ses partenariats stratégiques, de ce qu'il veut faire et de ce qu'il veut construire. Alors, disons les choses pour qu'on puisse véritablement avancer dans leurs solutions. J'ai beaucoup apprécié la manière avec laquelle vous avez posé le débat ce matin à l'ouverture, et vous avez raison de vous poser la question sur ce que deviendra l'Europe, quelle est la responsabilité de l'Europe aujourd'hui et de l'Union européenne face à ce Big Bang qui est en train de se faire. Mon sentiment, c'est que l'Europe se positionne aujourd'hui comme une puissance moyenne qui accepte de voir deux géants se battre et qui va suivre le mouvement naturellement dans le camp qui l'intéresse. Ceci a un impact sur nous. Ceci a un impact sur nous qui sommes proches parce que nous sommes méditerranéens, nous sommes à côté. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Maghreb. Qui aurait pensé que cette grande boîte noire avec le traumatisme qu'elle a vécu, qui est l'Algérie, puisse connaître un mouvement aussi profond et aussi pacifique que celui qu'elle est en train de vivre aujourd'hui? Qui aurait pensé que 8 ans après la révolution du jasmin en Tunisie et à l'occasion de ces élections aujourd'hui, qu'il y ait 2 candidats anti-système déjà après 8 ans? 2 candidats, 2 forces anti-système qui se retrouvent pour le deuxième tour qui va être tranché dimanche. Qui aurait pensé que ce résultat qui a été obtenu lors des élections législatives en Tunisie allait être de cette manière-là? Il y a un constat, il y a des forces qui sont bien présentes et bien implantées. Ceci est valable pour la Tunisie. Ça sera valable demain pour l'Algérie parce que la seule force organisée mais qui ne s'exprime pas encore est les forces ou les mouvements à mouvance islamiste, mais qui rentrent dans la rationalité progressive par rapport aux contraintes que doivent avoir, qu'ils doivent assumer dans la gestion de l'ouverture et également la gestion de la réponse à la demande sociale. Ceci est valable également chez nous. Les forces organisées dans le Maghreb sont les forces qui continueront à diriger et à orienter les politiques à l'intérieur de cet espace. Je ne parle pas de la Libye, tout le monde connaît la situation, mais je suis heureux pour une chose. Parce que
J'étais un acteur dans l'accord de Sriratt. J'étais ministre des Affaires étrangères et donc le Maroc avait abrité ce rapprochement qui était combien difficile et douloureux. J'ai vu des gens pleurer, des gens de la même famille qui se trouvaient chacun dans un camp et qui pleuraient à cause et grâce à ces retrouvailles. Et on avait beaucoup d'espoir. Mais les forces continuaient à fonctionner pour que la Libye ne retrouve pas la stabilité, parce que chacun voit la stabilité à sa manière. Mais je suis heureux aujourd'hui que la tendance militaire ne soit pas la tendance qui prend le pas dans la solution ou la résolution du problème de la Libye. Je suis heureux également des évolutions qu'il y a en Mauritanie. Tout cela pour dire que le Maghreb est en train de vivre des mutations structurelles porteuses d'espoir. Ce que j'observe en Algérie est porteur d'espoir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Algérie ne reviendra pas en arrière. Et donc le pouvoir militaire devra accepter de partager le pouvoir. La solution à la problématique algérienne aujourd'hui, c'est d'amener le pouvoir algérien à accepter la solution du partage du pouvoir. Mais il va devoir composer avec ceux avec lesquels il a mené une guerre interne pendant 10 ans. Parce que c'est l'une des rares forces organisées qui reste encore en Algérie. Toutes les formations politiques historiques sont rejetées structurellement, radicalement, par les populations qui sont dans la rue. D'où la difficulté de la solution politique qui doit être trouvée. Ceci m'amène à dire que le débat que nous avons aujourd'hui sur les taux d'intérêt, les machins, etc., peut-être dans 1 an ou 2 ans, on va parler d'autre chose. Mais ça fait partie des phénomènes, mais c'est bien d'analyser. Ça fait partie des phénomènes, avec Dominique qui est là, que je salue, et avec laquelle vous avez fortement collaboré. Je me rappelle de 2009, avec la crise financière, et j'étais à l'époque ministre des Finances, réunion en Tanzanie, si vous vous rappelez bien, pour parler de comment aider l'Afrique à ne pas payer les frais. Et je tiens à vous saluer et saluer votre courage pour les facilités et le soutien que vous avez apporté à ce continent, parce qu'on s'était tous mis d'accord sur un fait. On peut réduire les dépenses de fonctionnement, mais on ne peut pas réduire les dépenses d'investissement, parce que c'est ça qui va aider l'Afrique de demain. Et donc tout cela pour dire que je suis très optimiste pour le Maghreb, que la question de l'intégration maghrébine est quelque chose que je commence à entrevoir. C'est le seul espace de résistance à l'intégration. Mais cette résistance est en train de se craqueler progressivement. Et le Maghreb a aujourd'hui une responsabilité fondamentale. Vous devez l'aider, vous, Européens et monde occidental. Vous devez aider dans ce processus parce que un Maghreb reconstitué, c'est une force qui va prévenir et aider à la résolution des problèmes dans le Sahel. Parce qu'elles viennent, elles viennent avec acuité et force. Il ne faut pas se faire d'illusions. La force de la croissance démographique et des problèmes africains retomberont sur l'Europe. Alors, vous avez le choix entre aller vers des politiques beaucoup plus volontaristes, agressives, avec nous, et nous savons faire. Faites confiance à l'Afrique. Elle est capable. Et nous reviendrons sur l'Afrique tout à l'heure, mais juste pour dire, je suis très optimiste sur la construction maghrébine. Je commence à entrevoir les solutions au Maroc. Nous travaillerons pour ça et nous militerons pour ça. Maintenant, sur votre question pour terminer, bienvenue à tous les investissements. Le Maroc est outillé pour le développement de l'investissement dans les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I think what you did was fantastic here because what you showed us is that the economic prosperity of the Maghreb region is first and foremost an issue of political stability, and putting that to the forefront is crucial.